Salut à tous, c'est L7C Fox et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Brother A Tale of Two Sons avec Mai et Maya sur cet épisode numéro 6 qu'on va attaquer. Et je le rappelle, j'avais fait l'épisode 5 et croyez-moi, l'épisode 5, j'en ai pris plein les yeux car franchement, j'ai vu des paysages et de tout, mais vraiment, vraiment, ça a été question des yeux, j'en ai pris plein les yeux. Pour ça, rien que pour ça, ce jeu est franchement magnifique. Donc on s'était arrêté après plein de petits voyages avec une aile volante, avec un oiseau qui malheureusement est mort juste après nous avoir déposé en haut de la colline quand on était parti du fameux château. Et franchement, le jeu est toujours aussi intéressant, triste à la fois, il se passe plein de choses, il y a des choses on ne comprend pas tout de suite, on comprend au fur et à mesure de l'aventure, mais croyez-moi, ce petit jeu a un potentiel mais énorme, 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 énorme. Alors, on est parti pour l'épisode 6, et on avait vu, voilà, par le haut de la colline, on avait vu qu'en bas il y avait une espèce de temple, je sais pas quoi. Et on va aller voir ça, on va essayer d'aller voir ça tout de suite. Ouh, mais il y a l'air d'y avoir... Ah oui, mais il y a du monde. D'accord, en fin de compte, le fait d'avoir tué les soldats, ça fait une cascade de sang qui passe dans les rainures, là. Je vais changer de vue. On peut pas... Ah non... Ah, on va passer sous la cascade de sang. Ah, on est bien dégueulasse. Voilà cette espèce de temple. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben on va essayer d'aller vers le bas. Il frappe. Alors, je suis en train de voir que les pas... Ah ben voilà, là c'est ce qui va certainement nous laver. Ouh, il va falloir qu'on se retrouve... Non, c'est bon. J'avais peur que... Mais qu'est-ce que c'est que ce tribut là? Ouh, d'accord, mais il y a une prisonnière, d'accord. C'est pour ça qu'on entendait au loin une voix de femme. Mais comment on va les sauver? Comment on va la sauver? Mais ils ont pas peur, hein, nos deux lascars. Alors je pense que c'est une cérémonie de sacrifice, c'est ce que ça a l'air d'être en tout cas. Là on peut pas passer. Là on va se repérer, c'est pas possible. Bah oui, c'était évident. C'était évident. Là, j'ai fait n'importe quoi. Parce qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça doit être le truc. Ils vont se mettre, je pense... Voilà, il faut qu'ils se mettent comme ça. Et en fin de compte, ça va paraître comme leur dieu, quoi, je crois. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Mais oui, c'est ça.
Et oui, puis ils en ont peur du coup. Voilà, je crois qu'il faut vite s'arracher de là. Allez, vite, 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 vite. Ah, pas mal du tout, pas mal du tout. Le petit coup là, la petite scène. Ah, pas mal. Allez. Alors, on découvre un nouveau personnage féminin qui est plutôt agréable. Agréable dans le sens sur cette aventure qui est assez triste quand même. Mahameda. Ah, elle nous indique le chemin pour prendre, pour aller continuer notre aventure. Qu'est-ce qu'il va? Ok. D'accord, on part tous les trois, excellent. D'accord, faut que je rame. Ok, faut que je rame avec les deux, d'accord. Oh si, c'est magnifique. C'est. Moi j'en reviens toujours pas. Non mais là on part mal. Est-ce qu'il faut qu'on parte carrément? Oh là là, ok. Alors c'est difficile par contre là, par contre à passer. Allez, on y va. Alors je crois qu'en appuyant sur les gâchettes, ça va plus vite. Ah on a changé un peu de décor. Oula. On va essayer de casser ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on voit des trucs au fond de l'eau, on dirait des espèces d'orques. Oula, pas bon là. Alors je pense que quand il va y avoir les bulles. Bon, allez, on y va, on verra bien. Ah non, allez, allez, rame, 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 rame. Je pense qu'il faut pas trop que je m'arrête. Allez, allez, allez. D'accord, il nous faut reculer. Ok. Allez, 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 allez. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est le coup des bulles. Je m'en doutais, mais d'une force. On va faire attention là.
on y va, on trace. Oh non, 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 vous écartez pas. Non, 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 vite. J'arrive plus à diriger le bateau. Oh non, j'arrive plus à diriger le bateau. Je suis paumé pour diriger le bateau. Pourquoi je peux pas repartir dans l'autre sens? Non. Non. Donc faut que je parte comme ça, voilà. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas tourner? Je suis carrément à l'opposé de ce que je voulais faire. Allez, ça serait bien qu'on trace et vite tout droit. Allez. Ah ça va, je m'en sors bien là. Petite séquence navigation. Alors est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut qu'on arrive là? Non, non, faut continuer tout simplement. Il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Allez, on y va. Oh non. Ouh, j'ai échappé belle là. Je fais gaffe parce que... Allez, ramez. Ah, la petite séquence de nage est... Oh non! Mais c'est bon. Ah, ils vont nous embêter pour pas qu'on y arrive. C'est bon. Non, c'est pas bon. Allez, tourne le bateau. Tourne le bateau. Et voilà, c'est bon. Et ben pas facile cette petite séquence de navigation. Oh, on voit même les pas dans la neige. Ah ça glisse. Ça glisse. Oula, d'accord. Il y a intérêt de faire super gaffe parce que... Non, pas là. Ah, il n'arrive pas à passer. Pourquoi t'arrives pas à passer? Tiens, j'ai eu peur. Là, ça y est, c'est bon. Petite séquence de patin à glace sur la neige, la glace. Ah ouais, là, on voit même les pas et tout. Oh, la glace, comme elle est bien faite. On voit le vent, la brise. Oh, ok. Ah si, c'est joli ça. Ah c'est vraiment joli ça. Il y aurait un truc là. C'est quoi? Ah, il y a un truc à faire là. Je suis vraiment venu là
par hasard, mais je pense qu'il y a un petit truc à faire. Prends-la avec moi, ce serait bien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, j'ai pas compris là. Là, j'ai pas compris. Mais je pense qu'il y a un petit truc à faire là. Hey, Naï! Hey, Naya! Ah, il y a plein de petits trucs à faire, mais pourquoi ils sont retournés? Alors, est-ce qu'il faut les mettre dans l'eau? Ouais, je pense que c'est ça, faut les mettre dans l'eau. Voilà. Atta. Ya. Atta. Ah, pourquoi le grand frère ne veut pas? Atta. Atta. Alors je ne sais pas du tout si c'est ça qu'il faut faire. Je suis vraiment venu là, mais vraiment par le hasard. Voilà. Et j'ai vu qu'en haut, il y en avait une autre. Ouais, exact. Ah ouais, c'est bien. J'aime bien ce. Allez, prends-la au lieu de discuter. Je crois qu'on aura sauvé ces petits. Il doit pas y en avoir d'autres. Voilà. Là, je pense qu'on a tout fait. Succès, soupe de tortue. Oh bah, pour dire ça ou faire ça. Voilà, alors je pense qu'on a libéré les petits à la maman de la tortue. D'accord, ils sont partis là-dessous. Ok, bon, ben on va suivre le chemin pour aller voir où on peut aller. Faut aller où? Ok, faut monter. D'accord. Ah, les effets de la glace, c'est superbe. On a changé encore de région en peu de temps. On se retrouve un peu maintenant dans la neige. Wow. Kaya. Faut aller de l'autre côté. D'accord. Alors on est dans un endroit de bûcheron. Et il va falloir scier l'arbre. Ok, avec les deux joysticks, excellent. Ah ouais, on voit la scie s'enfoncer et tout. D'accord, maintenant faut récupérer la scie. Et aller scier l'arbre qu'il y a là-bas. Puna. Kaya. On va les scier ben dans ce sens. Otai. Kaya. Ah là, ils sont en forme là. Allez, on y va, on y va. Les deux joysticks à gauche, à droite. Allez. Puna. Otai. Voilà. Très bien. Ah ouais, elle a une façon de. Oui. Elle a une façon de monter et de traverser sur cette espèce d'arbre.
Alors, on attend, Maï. Ah, c'est un autre décor, il y a des personnages qui sont complètement gelés. Oula! D'accord. Ils ont gelé sur place. Puna. Otai. Atta. Faut aller là, mais le problème. Kaya. Otai. Il doit y avoir quelque chose à contourner ou à faire. Oh là 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 là, il y avait une sacrée bataille ici. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont tous gelé sur place. Bon, mais là, on va faire un strike si on fait ça. Hey, Naï! D'accord, je pense avoir trouvé. La vache catapulte. Non, elle va pas monter dedans. Et elle va nous baisser certainement le pont. Ah mais faut... D'accord, faut mailler aussi. Alors... D'accord. Allez, zoom. Oh. Ah, c'est trop fort. Voilà, comme ça. Maya va pouvoir rentrer. Par contre, il se retrouve à l'autre côté. D'accord, on est rentré dans la forteresse. Carrément. Oula, il y en a un qui a pas l'air catholique là. Oh, mais l'invisible! Ah, j'ai la manette qui vibre! Allez hop. D'accord, il va falloir rejoindre Maï de l'autre côté. Par contre, je sais pas où est parti l'espèce de monstre. Ah d'accord, ça fera que tu m'expliques comment tu fais. Ah c'est pas mal ça. Ah ça fait bizarre, hein. Il y a vraiment un truc qui s'approche de plus en plus avec la manette qui vibre de plus en plus. On voit bien ses pas et tout. Kaya. Ah mais elle est trop forte elle. Attends. Ia. Allez monte. Ouh là j'ai pas intérêt de le relâcher. D'accord. Alors ça en fin de compte c'est un village. Un superbe village d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Et il doit y avoir cette espèce de démon qui est là. Alors vite, il va falloir se mettre là, je pense. C'est pas mal ça. Ok. Voilà cette espèce de démon, enfin monstre qui hante la ville et qui a pris possession de cette espèce de village
Je pense qu'on est là. On va en même temps résoudre le truc de faire revivre ce village. C'est une espèce d'homme des neiges. Buna. Voilà, on est arrivé. Oula, pas bon là. Bon, c'est une cinématique. J'ai la manette qui vibre dans tous les sens. Ça va s'effondrer. Ah ben là, je crois que là. Maya, Alila, Ogai, Nayita, Eba. Je crois que le petit il aurait voulu son câlin aussi. Voilà, eh bien, on arrive, on est sorti de ce village magnifique et on se retrouve en mi-forêt, mais ouh que ça caille. On arrive à la fin de cet épisode 6 une fois de plus, par rapport à l'épisode 4 on avait pris plein la vue, l'épisode 5 pardon, plein la vue, mais là cet épisode 6 a été question de jouer avec la manette, ça a été chaud bouillant. Donc merci à tous de m'avoir suivi sur cet épisode numéro 6 avec Maya sur Brother Tale of Two Sons et hâte aussi encore de continuer cette aventure magnifique car franchement j'adore ce jeu visuellement et même à jouer, même si c'est pas évident, c'est un pur bonheur à regarder. Merci à tous et je vous dis à bientôt et bon jeu.